Le Biocapital, texte d'Azukashi. Nous sommes du Biocapital. Nous ne sommes plus que du Biocapital. Mais le Biocapital, c'est quoi? De bons gènes. Des gènes qui peuvent façonner de bons cerveaux. De bons cerveaux qui permettent de mener à bien des objectifs complexes, de coordonner des projets, d'envoyer des fusées sur la Lune, de produire de la valeur ajoutée, des marges brutes, et parfois même des innovations techniques et culturelles. De la disruption, des projets en méthode agile, de la tech, de belles machines, qui consommeront du biocapital. La conscience humaine est une énergie fossile qui a mis des millions d'années à se développer au gré d'une sélection darwinienne impitoyable. Elle est le distillat éclos très tardivement dans l'histoire humaine sur la montagne d'humus charnier de tous les rebuts qui nous précèdent. Et ce petit miracle de biotechnologie diminue progressivement. L'énergie humaine n'est pas une énergie renouvelable. On ne renouvelle pas si facilement un événement aussi unique dans l'histoire de la vie. Et il n'y a pour l'instant qu'une seule source de conscience disponible. C'est dans les mégalopoles qu'on agrège le plus de conscience. Les mégalopoles sont qualifiées par certains sociologues américains d'IQ shredders, des broyeurs de quotient intellectuel. Les grandes capitales, cités ruches tertiarisées, agissent comme des pompes aspirantes pour les ressources vives de la région. Elles sont là où se concentre le technocapital. Elles attirent donc le biocapital. De tous mes amis parisiens, seuls 5 sont nés à Paris. De tous mes amis parisiens, seuls 3 ont des enfants à bientôt 35 ans. Paris est une ville de provinciaux depuis la révolution industrielle et l'exode rural qui a vidé les campagnes du pays. Paris est une ville qui transforme les gens en adolescents permanents. Paris est une ville stérilisante, dont le citoyen idéal est un trentenaire célibataire qui finit à 20h, consomme beaucoup, se fait livrer ses repas et se bourre la gueule un mardi soir. Un célibataire qui consomme tout en dos, qui paye tout tout seul, four micro-ondes, salle de bain, loyer. Qui peut passer l'intégralité de son temps et de son énergie à son travail et l'intégralité de son revenu à la consommation. Une ville comme Paris brûle du biocapital pour fonctionner. Elle prend de l'intellect humain et le consomme, sans lui laisser le temps de se reproduire. Elle déforeste, en quelque sorte. Le trentenaire parisien est un bon fuel, mais il s'épuise rapidement. Lorsque vous aspirez tous les gens à peu près intelligents et créatifs, et que vous les réduisez à des ados de 35 ans stériles, épuisés, dépressifs et alcooliques, au bout de 3 générations, il n'y a plus de gens à peu près intelligents et créatifs. D'abord en province, puis dans la mégalopole, qui se trouve obligé de faire venir des ressources humaines de plus en plus loin. Regardez autour de vous à Paris, il n'y a que des abrutis. Paris est une ville socialement ultra-violente qui broie et recrache. Je sais de quoi je parle, j'y ai vécu 35 ans. Entre les salons, les bars underground, les clubs branchés, les salons, les potagers partagés et les tiers-lieux. Ceux de mes amis qui veulent des enfants se barrent, car l'odeur de la mort est trop prégnante. Et de toute façon, les trois pièces sont inabordables. Regardez Singapour, Séoul, Tokyo, Hong Kong. Des villes dégoulinantes d'ingéniosité humaine et de haute technologie, futuristes, propres, ultra-modernes, et où plus personne ne fait d'enfants.